vous dis une dernière fois, je vous parle. Merci Lizo. Donc je vais regarder si ça passe en... Vous avez pu voir cette chanson, c'est très important. Ah merde, il est déjà là. Attends, Tim Latina ou quoi? Il boit du coca, les gars. Quand j'écris cette chanson, c'est parce que... Comme je vois, dans la vie, il y a beaucoup trop d'individualité, d'agressivité. Des fois, maintenant, il y a des injustices. Donc, c'est très important de se parler. Et je pense que ça va aider un grand nombre de personnes dans votre vie où des fois, c'est pas toujours simple. Moi, je dis les choses d'une certaine façon. Je l'ai vu. Merci beaucoup des compliments. Et vous, le public, les fans, vous le ressentez. C'est très important. Emmanuel Pequin, vous êtes le petit Manu dans mon 63e rendez-vous de même et interview Le Droit à la Parole. Et je remercie, il y a beaucoup de monde ce soir. Oui, il y a beaucoup de monde ce soir qui est là. Je lis beaucoup vos messages et on va voir qui c'est qui va monter. Je suis là jusqu'à 1h du matin. Justement, Nazim, on va le faire monter. Je vais lui parler et on va discuter. Il y a beaucoup de gens qui sont là et je vous remercie avant tout, que ce soit moi ou n'importe qui. La fidélité, la reconnaissance, c'est très important. Bonsoir, Nazim, comment tu vas? Comment vas-tu, Nazim? Je vais très bien, c'est bon, j'ai changé, je t'ai écouté, j'ai écouté tes conseils. Et dorénavant, alors je vais t'expliquer, j'ai fait un concert, tu es au courant de ce concert que j'ai fait à Créteil à la MJC? Oui, tu m'avais expliqué, tu t'es arrivé septième parce que tu étais planté, parce que tu avais pris une de mes chansons et tu l'as mal dit, oui, tout à fait, tu l'as dit. Oui, et bien justement, j'ai changé et maintenant je me suis inspiré de ma propre histoire comme tu m'as conseillé. Et grâce à ce concert-là, en fait, on a pris des images. C'est très intéressant. Parce que tu sais, Nazim, je vais te dire une chose. On a des choses tous dures à faire. Et je vais te dire, moi, je pense que maintenant, les artistes, plus il y a des artistes, parce qu'on ne se rend pas compte que les artistes passent des moments très difficiles. Et pourquoi on écrit? Attends, moi, toi, n'importe qui dans le monde, on a une vie différente, mais on a beaucoup souffert. Oui, alors, moi, lors de ce concert, en fait, il y a une équipe de tournage qui est venue et ils ont pris des enregistrements. Et j'ai réussi à faire un clip. Et je voulais te dire ce que t'en pensais. Parce qu'on l'a mis en ligne sur YouTube. D'accord, mais est-ce qu'une chanson, t'as parlé de toi et pas de moi? Parce que je t'en veux un peu, Nazim, tout ce que t'as fait à partir de moi. C'est comme si tu faisais du copier-coller. Ce qui serait intéressant, c'est que les gens voient... Oui, mais j'ai compris, j'ai changé. Et en fait, c'était à mon concert. C'est que les gens voient du Nazim Riou et pas du Emmanuel Pequin. Les gens, ils pensent que c'est moi qui a copié. C'est Nazim Bouboule. Nazim Bouboule, maintenant, j'ai changé d'un nom d'artiste. Et je t'ai écouté et j'ai fait justement un clip. Il faut que tu l'écoutes et tu me dis ce que t'en penses. Attends, je te montre. D'accord. Donc là, c'est un concert. C'est un concert. D'accord. Est-ce que tu arrives à écouter? Attends, je demande deux secondes. Non, mais moi, si je fais ça pour t'aider. Écoute. Parce que je suis quelqu'un de très créatif. C'est inspiré réellement de toute ma vie, qui est très sensible. Cette chanson s'intitule La femme du soleil. La femme du soleil. Bah non, Nazim. Non, Nazim. Bah c'est très mauvais. Nazim, tu sais pourquoi c'est mauvais? Je vais te dire pourquoi. Regarde, c'est moi en concert. Non. Oui. Bah oui, mais Nazim, je vais te dire pourquoi c'est mauvais. J'ai rempli la salle. Je suis un artiste. Oui. Regarde, j'ai rempli ma salle. Ouais. Regarde. Oui. Et alors? Mais Nazim, je veux dire pourquoi. Je suis enfin un artiste. Regarde mon public. Non, t'es pas un artiste, Nazim. Je vais te dire pourquoi c'est mauvais. Parce que d'une part, Nazim, attends, tu peux enlever ta vidéo? Regarde mon public, regarde mon public. Mais ça veut rien dire. La salle était pleine, regarde. Oui, je regarde, on peut faire des montages, mais c'est archi mauvais. C'est nul. Parce que tu sais pourquoi, Nazim? Je vais te dire pourquoi c'est nul. Je vais te démontrer le contraire, c'est nul. Mais c'est archi nul. En plus, c'est très mauvais. Déjà, Nazim, tu peux arrêter ça? Tu m'attaques? Là, c'est mon clip, tu vois. On voit mon clip. Non, c'est mon clip, c'est mes images. C'est mon clip. Je vais te ton clip. Je veux dire, c'est une catastrophe, ton clip, Nazim. Je veux te comment dire. Comment ça? Regarde mon public. Regarde mon public. Mais c'est pas ton public, c'est un public. C'est un public de télévision. Ça n'a jamais été ton public. C'est une catastrophe. C'est nul. Là, c'est mon public. Ça, c'est moi. Ça fait partie de mon clip. Donc, ça fait catastrophe sur catastrophe. Mais regarde mon public. Regarde. Je regarde. Mais c'est archi nul. Je vais te dire pourquoi, Nazim. Ok, attends, le clip c'est fini. Dans 10 secondes, il est terminé, le clip. Regarde mon public. Il m'applaudit, regarde. C'est un public, t'as fait un montage. N'importe qui peut le faire. C'est archi nul. Non. C'est très mauvais. Regarde, écoute les paroles. J'ai changé les paroles. Oui, là, c'est mon clip.
Bah non, c'est non, archi c'est mon nul. Attends, bah ça jamais été vu. Attends, ton je clip est très mauvais. C'est mon clip. C'est moi qui suis un artiste. Tu t'énerves, tu fais du mal. Ça fait ce que t'en as, c'est nul. Je veux te dire pourquoi. Ah, moi, je copie la pas. Vidéo, elle est je sur YouTube tout. Et ça commence à prendre du buzz. Ça bah, c'est nul. Je vais te dire pourquoi. T'as fait des montages. En plus, tu t'as pris mon clip. Je vais te demander une question. Ta femme du soleil, elle s'appelle comment? Ah bah oui. Moi, elle s'appelle Anne. Tu vois? Elle s'appelle comment? La danse, c'est un surnom. La danseuse. Attends, je te remontre. Non, pas la danseuse. La fille, la femme du soleil, c'est une personne. Moi, mon clip, elle s'appelle Anne. T'as inspiré. Elle s'appelle Anne. Elle s'appelle Anne aussi. C'est la même qui. Elle s'appelle bah Anne, la seule chose, Mazine, c'est très mauvais. La seule chose que tu fais, tu copies. Et mais tu n'es pas copié. Regarde le public. Si, je suis en scène. C'est sur scène. Mais tu m'amuses. Mais c'est archi nul. T'as fait des montages. T'as pris mon clip. C'est très mauvais. C'est un navet. C'est bidon. C'est pitoyable. Et le clip, il commence bien en plus. Regarde, j'ai mis. En j'ai plus, mis... c'est pas Nazim. Cosmos, c'est moi. Tout ce que t'as fait, ta reprise que j'ai fait, t'as fait du copier-coller. Mais c'est archi nul. En plus. Nazim, on voit que t'es crispé, t'es pas naturel, mais c'est bizarre. Non, là tu commences à aller loin, tu dis que c'est. Tu, ah bah, là, tu commences à me diffamer, tu dis. Je bah, je suis désolé. Ça commence à m'énerver. Bah, tu peux t'énerver pour des bonnes raisons qu'on copie. C'est mes images. Je m'en vais, c'est mes images. C'est mes images. On copie, on a rien fait, t'as même pas innové. Alors, je suis désolé, mesdames et messieurs, sauf mauvais. Je vais vous dire pourquoi. Il a fait des montages. Parce qu'il a repris mon clip, il a fait un montage, et quand on le voit, Nazim, oh bah non, je suis pas copieur. Moi, mon clip, il fait, je suis sur toutes les plateformes, il fait 6000 vues, lui, il a copié. Mais c'est un fiasco total. Il est crispé, il est, je suis pas jaloux. Je constate les faits. Et en plus, oh non, je copie pas. Et il a fait tout comme moi. Et il a pris un montage. Vous savez, c'est un peu comme Vidéo Guy. Il a fait des montages, il a pris mon clip. Mais c'est mauvais. Et en plus, il fait tout comme moi. La seule chose qu'il ne sait pas faire, Nazim, il ne sait pas innover. Il ne sait pas faire les choses de lui-même. Donc, il n'a rien suivi mes conseils. La seule chose qu'il fait, il copie. Et en plus, dans mon clip, il fait tout comme moi. Il n'a pas innové. Donc, c'est catastrophique. C'est un fiasco total. Et je suis désolé. Mon live, je ne vais pas faire. Il a mort. Oh non, je ne copie pas. Moi, je n'ai pas besoin de copier. Oh, je ne suis pas joli. Je suis entier. Moi, je me donne les moyens. Jaloux de quelqu'un qui est copié, qui n'a pas de talent. Mais ça, c'est là un pauvre type. Moi, je suis désolé. Moi, là, je veux me protéger. Quelqu'un comme ça, c'est très mauvais. La seule chose qu'il fait, il s'en prend. C'est comme s'il me crache en pleine figure. Mais c'est son clip, c'est pitoyable. C'est un fiasco total. Il a fait un montage, il a pris mon clip et il copie. Oh, moi, je copie pas. Ah non, j'ai pas besoin de copier. Moi, je suis un J9. C'est Nazim qui copie. Il a pris une chanson, il a copié mon lit. Il s'est pas innové. Je suis pas jaloux. Mais n'importe quel professionnel réagirait comme moi. Ce qu'il a fait, c'est nul. Oh non, je suis pas un pointeur. Non. Ce qu'il fait, Nazim, c'est pitoyable. Il copie. Et je suis désolé, je vais faire me protéger. Il respecte pas mon. Oh, je suis pas jaloux. Mais je constate. En plus, il est crispé. Et il sait pas. En plus, je vais vous dire. Un artiste qui sait pas innover et qui a pas d'inspiration. Bah, faut qu'il fasse autre chose. Moi, mon clip, il est fait. J'ai pas copié. Je copie merci, pas. Moi, je sais ce que je suis capable de faire. Je connais mes valeurs. Ce que t'as fait, c'est un fiasco total. C'est nul. T'as copié, t'as fait un montage, et après mon clip, il se fout du monde. Donc moi, je vais faire quelque chose pour me protéger. Là, on va faire monter quelque chose. Là, ce que j'ai vu, c'était une catastrophe. Bah, il peut être jaloux. En plus, parce que je dis la vérité, il assume pas. Mais c'est un malade, ce type, il a besoin de se faire soigner. Et la seule chose qu'il sait pas faire, je vais faire monter, voilà, je m'excuse, je vais faire monter quelqu'un d'autre. Ce que j'ai vu, c'est une catastrophe. Bah non, non, Maxence, je suis désolé, il a copié sur moi mon clip. La fille du soleil, je suis sur toutes les plateformes, c'est monté, j'ai fait, il a fait un public où on applaudissait, il a pris mon clip. Donc, il a rien fait, Nazim, il a copié. Et la seule chose qu'il sait pas faire, apporter de la nouveauté. C'est un malade ce type. Donc moi je veux me protéger. Bah oui mais je veux te dire. Il a 100 Nazim. Viewers les mecs, 100 viewers sur Instagram. Nazim, mon clip est protégé. Donc ce que t'as fait, Nazim, c'est du grand n'importe quoi. Il a copié sur moi et il a fait un montage.
Ce qui veut dire que c'est vraiment, je suis sur toutes les plateformes. Ce qu'il a fait, il a rien fait. C'est de l'imitation. C'est un pipoteur. Oh non, je copie pas. Non, moi, j'ai pas besoin de copier. Je me suis fait un style et c'est Nazim qui copie. Alors arrêtez de le défendre. Il a rien fait du tout. Ah bah non, je suis pas mytho. Moi, j'ai des chansons, je suis critique. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vais vous dire une chose. Nazim n'a pas fait ses débuts. Il copie sur moi. Moi, j'ai pas besoin de copier. J'ai de l'imagination, de la créativité, sauf ce qu'il a pas. Donc, bah, tu peux appeler l'assassin, moi, je suis protégé, mes droits. Et quand je vois quelqu'un qui est incapable de faire quelque chose, mais il faut qu'il fasse autre chose. Je vais faire quelque chose, je veux protéger mes droits. Excusez-moi, vous êtes dans mon 63e rendez-vous et je suis désolé, au début, il faisait des trucs dans le métro, il a fait une série de catastrophes. Je suis pas un pointeur, s'il y a bien quelqu'un qui se fout de moi, c'est comme s'il me crachait en pleine figure, c'est Nazim. Il a rien à voir, c'est nouveau, il a fait un montage et vous savez ce qu'il a fait. Je vais excuser, je vais essayer d'enlever la vidéo, mais je dirais qu'elle a déjà 10 000 vues. Il a copié, il a rien innové, c'est mauvais, c'est ridicule. Bah, son clip, c'est très mauvais. Et encore une fois, le concert, il laisse pas parler les gens, bah, il craque parce que je dis la vérité. Et c'est un faucheton, ça. Il fait de la peine à voir. Il a tout copié. Résultat, bah, non, il a pas fait le buzz, mais c'est un fiasco total. C'est très mauvais ce qu'il fait, Nazim. Et là, vous savez ce qu'il fait? La seule chose qu'il a fait, il copie sur moi. Comment ça se fait? Répondez-moi une question. Comment ça se fait qu'il ne sait pas innover? Comment ça se fait qu'il ne sait pas faire des choses? Il fait tout comme moi. La présentation, ma chanson, mon clip, on va où? On se croit dans la quatrième dimension. Donc, Nazim, oh non, moi, je n'ai pas besoin de copier. Quand je vois ça, c'est un fiasco total. Mon clip, je suis sur toutes les plateformes et je suis protégé. Et ce qu'il fait, il a simplement copié. Et Nazim copie, il ne sait pas innover. Moi, je ne copie pas. Hein. Moi, je suis entier, je suis professionnel. Pour moi, c'est un amateur. Je vais protéger, il va faire, là, il a fait une erreur, il va s'en mordre les doigts. On va faire monter d'autres personnes, parce que je peux pas laisser faire ça. Oh non, je suis pas un copieur. Moi, j'ai de la personnalité, je suis entier, je suis professionnel. Comment vous expliquez que Nazim ne sait pas, oh non, je suis pas un copieur. Moi, j'ai jamais copié. Et j'ai de l'imagination. Comment vous expliquez que Nazim ne sait pas innover? Comment ça se fait qu'il propose pas? Comment ça se fait? Ah non, je copie pas. Tout ce que j'ai fait, je le dois à moi-même. Hein? Et comme disait Florent Pagny, c'est sa fête hier, qui se bat dans le concert, on peut prendre ma femme, mon fusil, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Pour moi, c'est un copieur. Vous savez ce qu'il a fait? Bah, j'ai pas copié. Ouais, les gens abusent dans le chat, malheureusement, c'est chiant ça. Il se prend mon clip. Fais pas ça, les gars. Vraiment, fais pas ça. Il a rien fait. Bah, non, ton clip, c'est très mauvais. Je suis désolé, Nazim, t'as rien fait. T'as copié, t'as fait un montage, et on voit crispé. C'est archi nul, c'est très mauvais. Alors, on va faire monter d'autres personnes, parce qu'il n'y a pas que... Ouais, on va refaire monter Nazim, je suis désolé. Non, moi, je ne copie pas, c'est la réalité. Envoyez mon clip. Nazim, on va le refaire monter. Mais c'était calmé, c'est archi nul. Tu m'insultes devant tout le monde. Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu te rends compte de ce que tu fais? Bah, je te dis la vérité. T'as non, fait c'est un copieur. Pas la vérité, tu me dis femme devant tout le monde, putain. Bah, je te dis la vérité, ce que je pense. T'as copié, t'as fait un montage et t'es raide. Moi, mon clip, il a une histoire. Tu respectes pas. J'ai juste pris des petites parties, bah, oui. C'est tout, des toutes petites parties. Non, tu prends pas les parties. Tu respectes pas mon travail et tu fais n'importe quoi. T'as fait une série de catastrophes. Je veux faire quelque chose pour me protéger. T'as pas parlé comme ça. Tu me déçois de parler comme ça. Je te dis la vérité. Je vais te dire une chose. Concert, tu fais tout comme moi, tu sais pas innover. Quand j'étais dans le métro, je te connaissais pas, tu disais que je travaillais bien, je faisais jamais des belles choses. Ah bah oui, mais parce que là, t'essayais. Là, ce que tu fais du papier collé et tu fais pas du Nazim Riou, tu fais du Emmanuel Ploquin. T'intéresse personne, c'est mauvais. Donc, tu n'as pas mon taille, j'ai vu. Mais le clip, la pochette, y a rien que j'ai pas copié, y a rien, regarde. Bah, la femme du soleil, elle s'appelle comment? Elle fait quoi dans la vie, ta femme? Bah, qu'est-ce qu'elle Anne. Fait dans la vie? C'est Anne. Ouais. Elle est comment? Elle est comment? Parce que tu, comme par hasard, tu fais tout comme moi. Tu sais pas innover. C'est archi nul. Dis-moi, je veux te dire une chose, Nazim. Je vais sauter dans la scène. Tu viens avec moi? Non, je viendrai pas. Je suis pas un fou. Bon, bah, tu vois, pour une fois, tu fais pas la part des choses. Mais Nazim, tout ce que t'as fait une série de côté, une catastrophe, t'as copié, t'as jamais doublé. Comment je fais pour arrêter tout ça? Comment je fais pour arrêter tout ça? Le clip, il est déjà à 7000 vues sur YouTube. Bah, c'est mauvais. Mes droits sont protégés, hein. Je veux dire, je suis sur toutes les plateformes. Ce que t'as fait, c'est un échec. Mais c'est un fiasco total. J'ai déjà lancé les t-shirts.
pour mon prochain spectacle. Bah oublie, hein. Oublie. En plus, t'es pas Nazim Cosmos, t'es Nazim Boubouz. Cosmos, c'est moi. Tout ce que tu fais du Manu, du Emmanuel Ploquin. C'est pas intéressant. Moi, j'ai pas besoin de toi. En plus, tu voulais faire un hommage au roi. Toi, ce que tu confonds. Tu confonds. Mais t'es rendu hommage sur la scène. J'ai dit à mon public, t'as bien vu dans le moi, je vais prendre les précautions. Nazim, je suis désolé, je vais faire quelque chose qui va te vraiment te bouleverser. Tu vas comprendre tes erreurs. T'as fait que des erreurs. C'est mauvais. T'as fait un montage. J'ai vu les scènes de mon clip et t'es raide. On voit que t'es pas détendu. Moi, et en plus, tu comprends même, t'as même pas compris mon clip. Il y a une subtilité. T'as fait, c'est un fiasco d'autre. C'est archi nul. Je suis désolé. Quand quelque chose est mauvais, faut pas dire. Je ne sais pas ce que t'as fait quand t'étais dans le métro. Je me permettrai pas de juger. Mais ton clip, c'est mauvais. T'as fait un montage. J'ai vu les scènes de mon clip et t'es raide comme ça. N'importe qui peut faire un montage. Hein. C'est facile. Moi, mon clip, c'est pas un montage. J'étais en concert. Si je te dis que j'étais en concert avec mon public. Il est où ton public? Attends, bah, je te le montre. Attends, je te le montre. Il est vrai, mon public. Ton public? Mais non, mais c'est un fiasco total. Je veux pas le voir. T'as pris les scènes de mon clip. T'as fait un montage et t'as collé. Mais c'est archi nul. Faut reconnaître. C'est très mauvais. Ah oui, regarde. Même les gens disent, c'est très mauvais. Moi, je suis désolé. T'as rien compris. Et tu déteins. Reconnaître, t'as fait n'importe quoi. Qu'est-ce que tu m'as dit? Regarde le clip. Parce que c'est quelqu'un de très créatif. Regarde le clip. Bah non. Bah non, je peux pas faire. Regarde la fille. Tu la connais pas, la fille du soleil. Regarde mon public. Nazim, je peux pas faire un compliment quand quelque chose est mauvais. Tu vois, ça c'est dans mon clip. Et de personne. T'as tout copié. Et ce que t'as fait, t'as fait un montage vidéo. T'es raide. T'as fait un public. Moi aussi, je peux faire un public. Et ça, c'est dans mon public, ça. Mangeant un mille fois. Ah oui, mais ça, c'est un montage vidéo. Moi aussi, je peux prendre un montage vidéo de n'importe qui. C'est pas un montage vidéo. Regarde. Mangeant un mille fois. Bah, le public, il est où? On voit pas les gens réagir. Non. C'est un montage vidéo d'un petit qui... public. Montage vidéo. Moi, j'ai travaillé dans le divisuel. N'importe qui pourra le dire. Ce que t'as fait, c'est n'importe quoi. Quelque chose est mon. Moi, j'ai plus d'expérience. En plus, t'as même pas commencé. C'est archi mauvais, Nazim. Ce qui sera un... Mais ma carrière, elle est lancée. J'ai déjà des maisons de disques qui m'ont contacté. J'ai des festivals, qui m'ont contacté pour me reproduire en concert. Nazim, tu fais des tas sur moi. T'as fait n'importe quoi. Tu t'es planté. Elle n'a pas commencé. Mais je fais comment? J'ai été contacté par des maisons de disques. Ils veulent me produire. Je fais comment? Bah t'as la folie des grandeurs parce que tout ce que t'as fait c'est du Emmanuel Ploquin, c'est pas intéressant, je peux le non, faire. Non, c'est pas. Tu commences à m'énerver. Je quitte ce plateau. Pitoyable, c'est ridicule. Tu reconnais pas tes temps, t'as fait du Emmanuel Ploquin. Bah oui, monsieur dame, il a fait du Emmanuel Ploquin. Ou ça deviendra intéressant quand il ferait du Nazim Boubouz. Il a fait une série de catastrophes, bah il peut s'énerver quand je dis la vérité. Nazim alors, Bouboule. Excusez-moi, monsieur, dame, on va pas faire un live spécial Nazim. Moi, il a fait n'importe quoi. Je vais prendre mes précautions, car Nazim accumule les catastrophes. Son clip, son public, il a fait un montage, il est raide, et j'ai vu les sets de mon clip. Ce qui veut dire qu'il a rien fait. Bah non, c'est pas un bon travail, c'est un fiasco total, une erreur. Moi, mon clip, il respecte pas mon clip, il y a une subtilité, il y a une histoire. C'est ce qu'il fait. On voit qu'il applaudit, il a les scènes de mon clip, mais c'est archi nul. C'est comme vidéo gag, il y a des gags, simplement, il respecte pas mon travail. C'est comme s'il me crache en pleine figure. Alors, on va faire un film. Je m'excuse pour jeudi dernier, bah, c'est pas intéressant, parce que j'ai dit la vérité. La seule chose qu'il fait, se moquer de moi, c'est incompétent. C'est un incompétent, il fait de la peine. Et la seule chose qu'il fait, c'est un fiasco total. Il a pas commencé. Et le mec, il faudrait qu'il fasse autre chose. Moi, je veux faire quelque chose, il va attends, je lui ai demandé si on fait un clip tous les deux. Attends, je vais lui dire. Moi, j'avoue, alors, il on va faire monter. Ça va pas. Non, Cosmos, c'est moi. Il n'y a pas un mec qui peut jouer la comédie qui dit, ouais, monter. Nazim est d'accord pour faire un clip en duo. Non, le clip éneur, c'est pitoyable. On fera un clip ensemble, alors. Hein, c'est exactement le public, il a fait un montage, il a pris mon clip, mais c'est une catastrophe. Bah non, je peux pas. Bah, regardez la fille du soleil, mon clip. Il y a une subtilité. Il y a...